Ted Gorian, maître de conférence en biologie et physiologie végétale. Donc notre projet consistait à développer un enseignement pratique en pédagogie inversée afin de favoriser l'auto-apprentissage de nos étudiants. Cela a consisté à prendre au hasard deux groupes d'étudiants, de 10 à 12 étudiants, de les laisser choisir une problématique en lien avec l'architecture et la physiologie des plantes, de les guider dans le montage de l'expérience et de les laisser réaliser cette expérience. Puis, les expériences réalisées et les résultats obtenus ont été présentés sous forme de petits films réalisés par les étudiants eux-mêmes. Un autre volet du projet consistait à produire des supports filmés, cette fois-ci par les enseignants, sur les thèmes, des thèmes en lien avec cet enseignement. Capsule, l'équipe de Capsule nous a accompagnés dans l'apprentissage de la démarche et des outils nécessaires pour scénariser ces supports filmés. Et nous allons faire appel à eux dans un deuxième temps pour le montage de ces supports filmés qui sont en cours de production. Retour des étudiants effectivement avec qui nous avons expérimenté ce dispositif cette année. Globalement, le retour est positif. Les étudiants ont adhéré à l'exercice et se le sont complètement approprié. Un point positif qui a été particulièrement souligné, c'est le fait de se concentrer, de réfléchir à monter une expérience et de l'approfondir pour en comprendre l'objectif. Un point frustrant pour eux, c'est de ne pas pouvoir multiplier les expériences comme dans une séance de travaux pratiques classiques. Mais ils s'accordent tous à dire que ça peut être levé, cette limite pourrait être levée par des séances de projection de toutes les expériences réalisées au sein d'un groupe et de discuter autour de ces expériences. Je vous invite à venir le 13 juin, éventuellement pour voir une des productions de ces étudiants.